Aujourd'hui, on s'est réveillé énervé. Donc on a appelé les renforts parce que Lise s'est réveillée. Ah non 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 non, mais attendez, vous pouvez pas me mettre ça avec ça. Faut mettre un body bretel. Allez. Mon dieu. Mais je me disais bref, voilà. Elle râle depuis ce matin. Moi, je me suis mal réveillée. Technique, en plus, je trouvais pas mon maillot de bain. Pendant une demi-heure, parce qu'elle trouvait pas son maillot. C'est Léane qui m'avait volé mon bas de maillot de bain, donc elle ça m'a saoulée. Non, elle me l'a volé, donc ça m'a saoulée. Du coup, j'ai pleuré. Et là, on commence enfin à se préparer. Ah, mais ils savent même pas pourquoi. Bon, ça va, je suis plus trop énervée. On s'est préparé. On fait le sac de Lise. Après, on va déjeuner et après, on part. J'ai toujours pas dit où on partait. Bon, c'est sur la surprise, ce sera marqué dans le titre, mais bon. Bon, là on va partir, Lise est plutôt sage. Elle est plutôt sage dans le cosy pour une fois. Donc nous allons au parc aquatique à Auglis parce que on y va tous les ans avec tout le monde, là on y va à 10. Et en gros, je me suis dit, bah pourquoi pas demander d'y aller en collaboration. Du coup, je lui ai envoyé un message et tout, il était d'accord. Donc du coup, il nous invite à 10 personnes et on a le module Cocon Family Plus, là c'est genre un espèce de panier pour la famille quoi, où on peut rester la journée. Avec ça, il y a les fast pass et quelques avantages genre sur le parc, c'est moi qui ai demandé ça. Comme ça, ma mère et ma mamie pourront garder Lise dans le petit cocon. Ça évite d'être sur les transats en plein soleil et tout, il y a de l'ombre et comme ça elle pourra aussi dormir. Du coup, on est super contents, ma famille est super contente, c'est moi qui ralasse. Du coup, voilà, ça nous fait quand même économiser plus de 300 balles. Hein. Quand même. 350. Non, 380. 80. Ouais. Parce que le cocon famille plus, c'est 80 euros. Voilà, on y va à trois voitures du coup, parce que. Oula, non, on peut pas voir. Merde, pourquoi ça fait les opins. On y va à trois voitures avec mes parents. Et mes grands-parents. Et mes sœurs. Et l'enfant de mon beau-père. Avec son copain. Et elle là. Elle est un peu grognon là. Trop bien au parc aquatique. Mais on est un peu déçus parce qu'il fait pas très beau quoi pour l'instant. Non mais moi je suis tant mieux, il y aura moins de monde. Mais non, mais c'est nul s'il fait pas beau, on va avoir froid et tout. Et le matin, c'est-à-dire que les gens vont venir que l'après-midi. Ouais, bah oui, bah donc. Moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça pas. L'après-midi il va faire beau ça. Oui, viens, il fera beau ça quand même. On est arrivé au parc. On est une troupe. You. Tout ça, c'est nous. Il fait pas très beau. Mes parents. Et ça, c'est la fille de mon beau-père avec son copain. Faut que je leur demande s'ils peuvent être dans le vlog déjà. Il y a déjà grave du monde, hein. Ouais. Purée. Bon, alors là c'est le moment de révélation, j'ai très très peur qu'on me dise au final non et que ça retombe sur moi et qu'on doive tous payer du coup. J'ai très peur. J'espère qu'ils vont pas retourner leur veste. On fait la queue. Youhou. C'est Lise qui filme maintenant, c'est bon. Attends, mais t'as filmé là? C'est parti, le moment de vérité. Ça passe. C'est bon, on s'était grave galère parce que je crois qu'ils ont pas trop l'habitude de donner 10 places. Genre d'habitude, c'est 2 ou 4 places en collaboration. Du coup, la série qui en était, elle était là en mode mais vous avez 10 places et tout. Elle était obligée d'aller demander à sa supérieure tout le temps. Et au final, c'est bon, on est tous rentrés. Voilà. C'est ça les cocons. C'est trop bien, j'ai toujours rêvé d'en avoir. Notre cocon. T'es content? Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir un truc comme ça. J'avais l'impression que c'était inaccessible. Bon, là on fait dormir Lise, c'est l'heure de la sieste. Elle dort dans le cocon. Après on va faire les rivières. Bon, il est. Quelle heure? Il est 11h30. Lise tête. On a fait plein de toboggans, c'était cool. Mais il faisait pas très beau. Et là, le soleil arrive et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc bon.
Approchez. On a ici, on a les. Anne. Putain, la caméra veut pas monter. Ah, c'est bon. Ici, on a les Anne. Ici, on a Mamika. Ah, mais non, merde, elle veut pas sur le blog. Merde. Ici, on a les Anne. Ici, on a Alice. Ici, on a que Lise. Toute mignonne. Non, pas elle, pas elle, pas elle, pas elle. Ici on a Angèle. Ici on a Antoine. Ah, putain, mais la caméra elle fait n'importe quoi. Ici on a. On voit son crâne. C'est qu'on voit vraiment juste tes yeux. Drugs and rock and roll, I think I'll take all that. Where'd you go? What'd you do? On a échangé. On n'avait pas montré ta coupe. C'est moi qui lui ai coupé les cheveux approximativement parce qu'il nous manquait un sabot. Il manquait le sabot de 1,5 pour faire le dégradé. Du coup, ça fait une petite coupe espagnole, tranquillou et tout. On va se rapprocher le dégradé maintenant que j'ai reçu ma tondeuse, c'est ça. On a nos petites salades. On a pris tous le menu à 24 euros. Lise! Lise! C'est ça l'appel. Voilà, on est servi. C'est le menu plan de chat. Bah, y a qu'un seul menu de toute façon. J'hésite à prendre mon téléphone genre sans la poche comme ça parce que ça fait vraiment une petite merde, ça me saoule. On a pris nos bouées. Nos bouées. Les pieds. On a fait un bête de truc, je pensais filmer, ça a pas filmé, ça m'a. Je suis dégoûtée, c'était trop bien. Surtout qu'on est parti en arrière à la fin, on s'est chié un truc. Putain, mais j'ai envie de pleurer. Bon, il est 17h20,
j'ai filmé pas grand chose, quelques manèges et tout. Là j'allaite qu'on fasse la photo pour le concours que je fais sur Insta du coup. Et voilà, il goûte. C'est long, moi j'en ai marre, c'est bon là. C'était grave bien, on a fait des toboggans qui étaient hyper, qui faisaient grave peur. Et voilà, vraiment c'est trop bien d'avoir le truc VIP, on est posé. Ça vaut grave le coup, genre on passe beaucoup plus vite, on n'attend pas une heure. Mais sinon c'était trop cool, on a grave profité. T'es content? Ouais, mais c'est pas fini hein. Hein? C'est pas fini? Si c'est fini. Non. Ils veulent rentrer là. Mais je rentre, moi j'ai une voiture. Bah oui mais t'as Lise, pas moi. Et toi tu restes? Non. Et tu rentres avec eux? Non. Moi je pars pas moi. Pourquoi? Faut faire un truc de réalité virtuelle. Oh putain. Et après il faut faire des rivières. Mais gros, on a pas fait. Mais tu mets. Ben on garde une. On garde Léane alors? Bah ouais. Léane elle veut le faire. Voilà, on est rentré, on a pris le bain. Le bain. Et ce soir je sors. C'est la dernière soirée, normalement. Ils veulent sortir dimanche, mais je pense que je vais faire que ce soir parce que je suis très très party girl. 7,50€. L'inflation. Rien de énorme. J'ai goûté la glace à manger. What did you say? J'ai du poulet entre les dents. On a eu des chuchis gratuits. Plus une gaufre, on a économisé plus de 15 balles. Les gars, c'est gratuit. C'est meilleur quand c'est gratuit. Et là, on a bien mangé. On va bien boire. On est au resto, on lui a mis 26 000 trucs dans la limiteuse pour qu'elle soit calme. Mais il fait hyper chaud. J'ai pris une bavette avec des frites, sauce quoi. Toi, ça a l'air trop. Ouais. Et toi, bavette. Je te signe pas. Ouais. T'as pris la photo? Mon plat. Le plat de Lys. Ah, le plat de Lys. À 10h, on s'est réveillé à 7h30, le temps de faire toutes nos affaires, de ranger, de préparer les étous, et on s'arrête à Mont-de-Marsan avant d'arriver chez Arthur pour un rendez-vous pour Arthur. Et voilà, autre chose à dire, on doit y être à 16h, ça me dit qu'on arrive à 14h15, mais du coup on est parti pour on compte les pauses, donc à mon avis on arrivera à 16h. On est parti un jour de canicule, il fait très très chaud, mais ça va être encore pire demain à Pau. Le pire c'est jeudi. Et jeudi, 40, 41. On va mourir. On fait une pause, on vous montre pas l'île parce qu'on l'a mis juste en couche. Allez, on fait un truc, tu rentres jusqu'à moi. Allez, vas-y.
Non, pas jusqu'au téléphone. Pas au téléphone, il se rend jusqu'à moi. Là, 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 là. Viens vers moi. Oui. Allez, encore, encore, encore. Viens. Oui, oui, oui. Allez, viens. Encore. Encore. Oui. Encore. Et viens, viens. Encore, rampe. Vas-y. Viens, moi, j'attends. Il est à mi-chemin. Non, on regarde pas le téléphone. Ne te déconcentre pas. Viens. Allez. Allez. C'est dur. Allez, viens. Rampe encore. Encore, 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 encore. Allez, encore. Encore, mais ça sert à rien. Oui, c'est dur. Encore. Encore, là. Oui, c'est dur. Mon cœur, c'est bien. Bon, on s'est un peu fait surprendre par la pluie. Je l'ai posé un peu à la. Là, on parle. Non, mais regardez ça. Bon, du coup, on était chez Arthur pendant une semaine. Mais j'ai rien filmé parce que je pouvais pas. Parce que ses parents, ils veulent pas qu'on filme la maison. Et du coup, là, ben, on rentre chez moi. Enfin, j'ai hâte. Et là j'étais avec des copines, j'ai même pas filmé, c'est dommage. J'étais avec des copines au bar. Mais attache-la. Ah, ok. Mais je sais pas, j'écris. Voilà, j'étais avec Rosita et Manon. Et c'était cool. Voilà, mais j'ai hâte de rentrer parce que là, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu chez moi, ma chambre et tout. Bref. Bon, merde. Ça y est, on est enfin arrivé à la maison. Avec un temps quelque peu approximatif. Là, je suis en train de remettre toutes les affaires de Lise partout sur la commode. Et là, il va falloir que je passe tous les habits de 3 mois en 6. Enfin, que je range tout, quoi. Voilà, on a retrouvé ma chambre. Bon, il y a tout ça à ranger. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau. Mais c'est Lisa. Ouais. C'est le cadeau de qui? Je sais pas. Bah. Une copine à maman, je crois. Pas trop. Ouais. Ouais, vraiment. Arthur, il fait son entraînement pompier. Oh non! Et retour là. Bah, fais attention à ce que tu fais. La petite espèce de. Bon, là on est retour à la maison du coup. Bon, là aujourd'hui je me suis préparée. En ce moment c'est vraiment pas facile parce que Lise, on pense qu'elle fait ses dents. Enfin, on pense toujours qu'elle fait ses dents, mais on sait jamais. Mais en tout cas, c'est une période un peu compliquée parce qu'elle fait que pleurer. Rien ne lui va, on peut pas la poser, même en la portant elle est mal et tout. Hier elle avait un peu de fièvre, on a mal dormi, enfin moi j'ai mal dormi vraiment, elle faisait que se réveiller, comme c'est moi qui me réveille la nuit. Heureusement c'est Arthur qui se réveille le matin et j'ai 2 heures de sommeil en plus, sinon je sais pas comment je ferais. Là j'espère que ça va pas durer parce que Arthur il va à son appart la moitié de la semaine comme d'habitude. Et si je dois gérer la nuit plus le matin sans mes heures de sommeil, je pense que je vais vite câbler. Donc bref, aujourd'hui je me suis préparée habillée pas comme hier parce que je tourne un épisode de podcast avec Constance. C'est une femme que je suis depuis très très longtemps parce que avant j'avais ma période astrologie avec mon compte Astrofilter sur Insta et tout. C'était avant que je me mette sur TikTok. Depuis elle a lancé plusieurs podcasts et tout, et là elle a lancé son podcast qui mêle astrologie et maternité. Et c'est de la vraie astrologie, c'est pas de l'astrologie en mode à quelle heure se réveillent les signes, machin.
Donc très intéressant, j'ai trop hâte de faire ça. Voilà, de toute façon je vous mettrai le lien quand il sera, quand l'épisode sortira. Je sais pas si elle aime vraiment, mais... C'est juste deuxième fois, cool. Pâte à pâte. Bon, donc là il est 14h23, on a rendez-vous à 14h30, j'ai mis Lise à dormir. Du coup je me suis mise dans la chambre de ma soeur parce que Arthur il dort dans notre chambre. Parce qu'il était fatigué. Et du coup là je vais aller sur le lien et ça va être parti. J'ai trop hâte, c'est le premier podcast de ma vie que je fais. Et en plus sur des thématiques qui sont intéressantes. Voilà, bon, l'épisode est fini, j'étais tellement en fond dedans, j'ai pas du tout pensé à filmer ou quoi. Ça s'est trop bien passé, bon, ouais, des fois je bégayais un peu, mais j'ai peur quand même d'avoir des jugements parce que je dis pas tout. Et du coup, peut-être que des choses peuvent être mal prises, des trucs comme ça, mais bon, on verra. L'épisode sort mi-septembre, un truc comme ça, donc potentiellement en même temps que ce vlog. Et voilà, Lise, elle a été remise à dormir là, parce qu'elle fait deux siestes l'après-midi, genre elle dort... en plusieurs fois, pas tout en même temps. Donc là, je vais me remettre à bosser un petit peu vite fait. Bah, pour mon bac de spé, peut-être. Oh mon dieu. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai arrêté la cuisson parce qu'elle a fait un truc bizarre. Mais en gros, c'est l'huile. Elle a dit de mettre une huile de cuisson particulière, sauf que ça fait que du coup, c'est pas homogène. Ça mais se juste, mélange pas. Mais juste, elle met beaucoup trop d'huile. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Mais ça se voit, regarde. Il y a partout de l'huile. Gros, t'abuses de ouf. Soirée crêpe pour nous, soirée sucre pour Lise. Mais je mets l'envoi des grosses bouchées là. J'ai une petite chanson qui va bouffer. Oula! Elle a la tête sur le côté. Ça a vraiment se dire mais quels parents j'avais quoi. Oula, oula. La panique. De toute façon, elle va pas tarder à manger. Tu vas pas, j'en ai. On va chez le médecin avec Arthur et Maël, le copain d'Arthur. Et avec Lise. Lise, elle est un petit peu... Elle a peur parce qu'elle va faire un vaccin, la pauvre. Elle a peur? Oui, elle est apeurée. En mode... Elle a compris. En ce moment, on fait un vaccin tous les mois. Donc, moi, j'en ai un peu ras-le-bol de l'avoir pleuré tout le temps, la pauvre. Bon, on est obligé. Regardez-la, elle est déjà déprimée à l'idée. Voilà, donc là, on est chez le médecin avec nos deux enfants. On a un nouveau garçon, je ne vous ai jamais dit, en fait, mais... Il nous suit partout, le pauvre. Même chez le médecin. Fais attention à ce qu'elle roule là. Regardez-moi cette daron. Elle a coupé ma vidéo. Miam 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 miam. Miam miam, c'est
faire de la comtesse. Nom nom nom. C'est des virages un peu larges. Vas-y. Mais non, la trajectoire est optimisée. Vas-y. Là, t'es là. Mais oui, quand c'est proche, ça va. Que ce soit proche. Ah oui. Elle rampe.